Bien, salut à tous, c'est Rufo, merci d'être avec moi pour cette reprise des Retro Beats et Moles, retour dans la vie réelle. Après un week-end assez fabuleux quand même, il faut le dire. C'est la reprise des Retro Beats et Moles. Aujourd'hui, on va essayer d'en finir donc avec Super Metroid sur Super Nintendo, enfin plutôt sur Super Famicom, puisque nous jouons avec la version Jap. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes prêts. Salut Caron, et puis écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va de suite se lancer le générique, comme ça je vais allumer la console, à tout de suite! Voilà, évidemment, ça fonctionne pas, alors bougez pas, je vais trifouiller un petit peu tout ça. Aïe, wouh! Presque du premier coup, dis donc. Voilà, on y est presque. Aïe, on y est. Y'a bon. J'ose espérer que au niveau, quoique non, ça devrait aller. Salut Moumou Didi. Allez, donc c'est reparti. Donc on va essayer d'en finir cette fois-ci avec Super Metroid avant de reprendre donc le Castlevania Timeline Project. On en était à Norfair et on allait où? Ah, on se dirigeait vers le bus. Ok, donc là visiblement, tout droit on descend, et puis, il y a peut-être des petites choses à récupérer vers la droite, on va voir ça. Allez, c'est parti. Salut Moblinus. Alors, à voir si je me rappelle un petit peu comment ça se joue tout ça. Donc là où on tire, voilà, parce que ça fait quand même très très longtemps que je n'y ai pas joué. Alors. Hop. Est-ce qu'on a quelque chose de planqué là ici? Ça sentait un peu la planque quand même. Bon, c'est pas grave. Ça va-t-il bien, écoute. Content, heureux, fier. Un petit peu aussi quand même, de temps en temps. Ça fait plaisir. Plein de bonnes choses qui se profilent à l'horizon pour la suite. Par contre, je sais absolument pas où je vais. Si, a priori, ça a l'air d'être par là. Ouf. Ça, ils ont pas aimé. Donc, on va voir où ça nous mène tout ça. Quoique, j'aurais pu courir dans le tas quand même, plutôt que de m'emmerder. C'est bien, je vais récupérer plein de trucs là avec tout ça. Alors, allons-y, cherchons un petit peu. Ah, alors. What's happening? Mais ça ne dégage, je crois que. Je crois que ça ne dégage que par le poids. Donc ça veut dire qu'a priori là faudrait que je remonte pour arriver à y accéder par le haut.
Ouais, puis t'aides bien. Puis t'aides bien. À moins que je sois juste mauvais. Non, bon, rien à voir avec tout ça. Donc, allons-y, on redescend. Donc, a priori, Zatis Notza, Zebaza Dudou, Zebaza Dudou. Oula. Alors, est-ce que là ici... Ah ben voilà, il y a de la super bombe ici. Super bombe. Boum. Alors pourquoi il y a deux... Ah mais non, il n'y a pas deux passages en fait. D'accord, ok. Ok. Bon, alors ben, c'est parti donc de ce côté. Ouais, c'est le retour des schtroumpfs aussi. Fuck. Ça a pas l'air bien ça. Alors voyons ça. Ok, bon. Pou. Je suis passé. Ah oui, d'accord. À la screw ça passe. OK. Ça, tu vas voir que... Ah ben non. Ça y est. J'ai perdu le rythme. Ah ben ouais. Effectivement, c'est pratique. Alors. Hop. Oups. Voilà. Oh le nul. Oh le nulage. Bon bah a priori c'est par là donc qu'on peut redescendre de l'autre côté. Voilà voilà. Mais a priori il n'y a rien dans cette salle donc ça me sert à rien. La screw fait 2000 dégâts. Ok. Alors, est-ce que là, nous, ça fond quelque chose? A priori, rien du tout. Aïe. Ah, merde. Fuck. Ah. Mais... Oh. Mais je fais le puerque.
Ah là 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 là. J'ai fait le nullage. Ah ouais, quand même, c'est costaud ces trucs là, ces bestioles. Parce que ça bouffe un screw, un coup de screw, tranquille quoi. Ok. Alors, si je pouvais avoir une petite sauvegarde quelque part. Oh. Il a fallu que je le dise. Par contre, contrairement à Castlevania, ça sauvegarde et c'est tout, quoi. Je te remets pas toute ta vie. Alors. Chaud, mais je vais super loin là. Bon. Ah oui, d'accord, il y a un tank. Ok. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Là, visiblement, il n'y a rien. Alors, vérifions ça. Ouais, ça vaut pas le coup de s'emmerder. Ah bah ouais, il y avait quand même une salle là. Là, visiblement, nothing. Aïe. Aïe. Alors, manqué. Manqué, ça c'est pour me foutre la haine, c'est ça? Oh les bâtards! Oh les bâtards! Ça c'est moche! Alors, allons-y doucement. C'est un peu chelou là, cette histoire.
Ça va pas du tout. Est-ce que ça se pète, cette merde? Bon, ça se pète. C'est déjà bien. Ben ah ouais, d'accord. Bon. Oh, merde. Oh. Coup de cul. Oh putain, et ça me remet toute ma vie. C'est très très bon ça. Ouf. Chaleur. Chaleur. J'ai fait un damage boost. Je comprends l'idée. Par contre, donc là, ce que j'ai au-dessus de moi à droite, là, comment je le récupère? Parce que. Parce qu'il faut l'avoir par au-dessus. Visiblement. Moi, je suis expert en. je suis expert en ce genre de conneries. C'est-à-dire me faire du mal sur un truc pour progresser, c'est un peu ma marque de fabrique. Aïe, et voilà. La preuve, c'est que prendre des mandales dans la gueule, je sais faire. Alors. Mon dieu, Mickey est con. J'ai même pas vu un truc pareil. Oula! Ah bah bien sûr. Hey. Fini, oui. Missile. Yeah baby. Donc. Ouais. Ça sent la connerie là quand même. Ouais. Mais là par contre, j'ai pas le jumping machin là dont tu me parlais là. J'ai pas capacité à. J'ai pas capacité à sauter et à récupérer les objets là-haut. Là. Enfin les passages, pas les objets. À moins que il y ait un passage ici. Ouf, chaleur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Rien du tout. J'ai un peu l'impression que je suis dans un passage où il falla pas. Ah, merde. Ah oui, d'accord. Là, j'ai l'impression que je suis cuit, là.
Ah, j'ai fait le bullet. Boum. Qu'est-ce que j'ai foutu? Merde, j'ai lâché une power bombe au-dessus. Youpi. Alors donc du coup là, où est-ce que j'en suis? Tiens, il y a un passage tout bleu là que visiblement j'ai pas fait. Et t'as des munitions, deux schtroumpfs. Waouh. Ok, ben c'est reparti. Donc, merde, faut que je redescende absolument tout. Ça, c'est un peu con. Comment ça, j'ai l'objet le plus cheaté du jeu, je m'en sers pas. De quoi parles-tu? Alors, ensuite, faut descendre. Ok, ça va, oh. Donc là, du coup... Je sais même pas si je reviens du bon côté, en fait. Mais non, carrément pas. Voilà. Me demandez pas comment j'ai fait pour venir là, je n'en sais rien. Donc... Et j'ai vraiment envie de me retaper tout ça. Je crois que on va essayer de descendre vers le boss. Donc a priori ça a l'air d'être vers la gauche. Allez. Je mange quoi? Mais j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Des schtroumpfs. Et là, c'est un café. Et là, de la vitelle. Qu'est-ce que tu crois, mon gars? Bon, alors, le boss... vais-je le trouver ici en descendant par la suite? Non, c'était déjà la salle du boss, ça, peut-être. Non? Oui, je m'en rappelle plus. Boum. 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 Mon dieu, je fais n'importe quoi.
Voilà. Ah, mais non! Putain, ça fait deux fois qu'il me le fait, ce con de coup, là. Ah, bah voilà. Ouais, super missile. Hop là. Bon alors. Eh ben vous avez beau dire, mais j'adore ça, moi, la power bomb. Alors qu'est-ce qu'on a là à côté? Je me rappelle plus. De ce côté, ah bah c'est très bien ça. C'est très très bien. C'est te le mets tout à fond. C'est très très bien. Très très bien. Insiste, Zerkout. Youpi. Alors, ici nous n'avons rien du tout. Mais comment j'y vais, moi, au boss? Parce que je viens de lui tourner allègrement autour, là, et je trouve pas la descente jusque bus. Ouh, ça, c'est pas bon, ça. C'est pas très, très gentil, ça. Hé! Sérieux là? Ah, je suis de retour ici. Ok, d'ac. Ah, donc techniquement, j'ai peut-être pas le choix en fait là. J'ai compris! Oh 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 oh! Oh oh oh! Comment j'ai compris? Oh là 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 là! Je vous ai compris! Oh là 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 là! Le screw est en moi. Je screwise. Ah mais complètement que c'est top. Et en fait comme le gun là il tire en tournant en fait, j'étais persuadé que c'était ça moi le screw en fait. Et en fait pas du tout. Ah bah ouais, en effet. En effet, ça fait un petit peu de dégâts. Un tout petit peu de dégâts. Alors, The question is... Alors là, si je descends, j'ai la sauvegarde, j'ai des trucs, ok, machin, nanana. Bon.
Alors, donc là, du coup, boum. Non, mais ça, j'ai fait déjà. Suis-je bêtise? Voilà. Alors. Donc, ce dont tu me parlais, Moumou Didi. De ça, ça m'a tout l'air quand même d'être un passage. Voilà, donc là, je suis un peu cané. Donc ça se passe par ici. Si j'ai bien suivi ce que tu m'as dit. Là. Voilà, donc là maintenant, the question is, comment je vais là-haut? Parce que là, ah merde. Ah putain. Ah, c'est trop bien! C'est trop bien! Ah, fuck! Ah, zut! Ok, Moblinus, j'irai voir. Là, en attendant, il y a quelque chose. C'est sûr. Ah putain, le passage, il est tout en haut, quoi. Donc ouais, ce sera peut-être plus facile pour moi. Allez, mes grimpes, pinaise. Ah, mais je vais... Comment je vais me sortir de là, moi?
Je suis arrivé là-dedans. Ça avance bien, ouais. Enfin, il y a des chances là que je me retrouve, mais bien kenné comme il faut là. Et fuck. Mais comment j'ai fait? Alors. Allez, mes grimpe. Hop, 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 hop. Eh, je sais pas du tout comment je réussis un truc pareil. Excellent, trop trop bien. Putain, j'en aurais... Ah, j'en aurais chié pour le récupérer celui-là. Oh là 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 là, mon gars. Oh oui. Oh oui. Mais c'est tout, c'est que pour de la power bomb. Me suis fait chier pour de la power bomb. T'es pas sérieux. Je me suis cassé les bonbons pour de la power bomb, c'est tout. Tu te fous de ma gueule. Ah, ce truc de merde. Ah, ce passage à la con. Il rigole ou quoi là? Bon, bah là. Franchement, je sais pas quoi faire. Mais genre pas du tout. Comment aller à ce foutu boss tout en bas? Là mon gars, je vois pas. Mais genre je vois pas du tout quoi. Ça sentait l'enculade par là. Eh ouais mon gars, du missile. Bon alors, à un moment donné, ça serait bien quand même si on pouvait me filer autre chose que du missile. Non, j'ai pas eu Ridley encore. J'ai pas eu le petit Ridley là, donc ouais, j'essaye d'y aller et franchement, voilà, je tourne en rond là sur cette map, sachant qu'apparemment le Ridley en question a l'air d'être tout en bas. Voilà, et je me retrouve avec ça. Et je sais pas comment accéder à tout en bas. Alors il doit y avoir un truc quelque part
qui me fait faire une boucle et descendre vers le boss de Norfair, mais je trouve pas. Je ne trouve pas. Alors en plus on avait Moumou Didi qui était là jusqu'à présent et qui m'épaulait. Mais là. Bon. Dans la grande salle. Dans la grande salle. Non, ça doit pas être celle-là. On va voir. On va voir si tu as raison. T'as-tu raison? T'as-tu point raison? Oh le nullage. Oh l'annulation. Je m'en fous de la lave. Je m'en fous de la lave. Donc, bon, a priori, donc, Moblinus avait raison. Donc, allons-y vers cette grosse salle. Allez, faudra qu'on m'explique aussi comment je peux arriver à geler des gens dans de la lave. Hein. Hop, allez. Donc allons voir ça. Donc, so what? Donc, je m'en fous complètement de la vie vu que... On entre tout en haut à droite de la salle. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourtant, je l'ai déjà faite alors, cette entrée là tout en haut à droite dont il est question. Tiens donc, de la power bombasse. Ah, mais j'ai déjà fait ça. C'est pas la peine. La grande salle à droite à côté du S. Oui,
Ouais, d'accord. Et là-dessus, on est d'accord. Mais il me dit, sauf que l'entrée n'est pas en bas de la salle sur ce que je vois, mais on y entre tout en haut à droite. You. You. Non ! Fuck. La save à côté de la salle, t'as un couloir en bas, il y a un passage dans le sol. Alors, la save à côté de la salle, il y a un couloir en bas. Il y a un passage dans le sol. Ok, d'accuerdo. Si, si, si. Allez! Voilà. Wouh ! Ah, il m'a quand même touché à la sortie de la salle. C'est bon, ça. Donc, ça va, je m'en sors mieux que... Donc, allons-y. C'est parti dans cette fameuse salle. Voilà. Donc, passage dans le sol, il est là. Voilà. Hop, hop. Voilà. Ici, il y a une sauvegarde. On va aller se la prendre. Comme ça, ça sera fait. Putain, j'en suis à une heure de live, j'ai toujours pas fini quoi. Fait une heure que je tourne en rond. Je le crois pas. Je le crois pas, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est nul. C'est de l'annulation. Alors. Touk touk touk. Ok, c'était pas là. Non mais il est con quoi, je l'ai vu en plus ce passage tout à l'heure. Putain mais que je suis moche quand je m'y mets, sans déconner. Alors.
Ah, bah c'est bien pratique ça, c'est bien pratique. Et... Effectivement, c'est pété comme truc, tout de même. La scrouation. Ok, j'ai foutu. Ah merde, c'est le grappin, ça. Bon, alors, visiblement, il y a quelque chose ici. Ah, une power bombe! Oui, merci, Bob Linus. C'est gentil. Ta sollicitude me touchera toujours autant. Bien, allez donc. Power bombe. Boum! Ah, mais d'accord, c'est. Ok. Ce n'est point un ascenseur. It is a piège. Alors, est-ce qu'on a un petit passage dérobé là dans le secteur? A priori, non. Ouh. Allez. Ah oui, d'accord, visiblement les pirates de l'espace là. Ah bah quand même. Faut le forcer à sauter en fait. Tiens, prends ça vilain. Et voilà, c'est ouvert. Ok. Allez, soyons patients, refaisons le plein. C'est ça. Comme avec Jury, tu forces le dive kick, t'as gagné. Eh ben. Ça marche, mais c'est un petit peu long.
Allez, on se dépêche là. Bon, ça m'a bandé. Mais surtout, c'est qu'il y en avait d'autres en plus. Voilà. Allez, hop, c'est bon. Voilà, France, avilez-nous. Bon, a priori. Mon Dieu. Pourquoi je lui fais pas de mal avec ça, moi? Aïe. Allez. Et dis-le que t'as mal, putain. Qu'est-ce qu'il fout? Non, je l'ai pété! Ça y est, je l'ai cassé! Je l'ai cassé! Et là, on va me dire: eh, non, 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 c'était pas un vrai boss. It wasn't a vrai boss, a true boss. Alors, la blague que je vois venir gros comme une maison. En fait, quelque part par là, il y avait peut-être quelque chose de planqué. Mais apparemment, non. Alors. It was a true boss. Ok, donc là, apparemment, il devait peut-être y avoir le Metroid. Mais il n'y est plus. Oh, il y a un Energy Tank, là. Salut, toi! Ok, bon, donc là maintenant, si j'ai bien compris, il faut que je remonte complètement, complètement. C'est-à-dire que là, il faut que je retourne à Brinstar, puis à... non pas Norfair, mais Crateria. Si je dis pas, si je ne dis point de sottises. Allez. Oh, que ça me gonfle ce truc-là.
Allez, putain! Ah bah quand même! Bon, ok, ça part pas du bon côté. Ce n'est pas grave. Ah, mais là, il y a moyen que... Mais non, carrément pas. Je récupère qu'une par une. Je vais mettre 1000 ans à tout récupérer. Donc ça veut dire que il y aura un passage obligatoire par le vaisseau pour refaire le plein de plein. Parce que sinon, ouf, ça risque de péquer. Exact. It was a power bomb. Voilà. Comment ça, vous vous crevez pas avec une power bomb? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc, comment je repars, moi? Alors, ouais, a priori, là-haut, c'était la sortie. Comme disait Moumou Didi. Donc, c'est parti. Alors. Hop, petite sauvegarde. Yes. Voilà, save completed. Quelle heure il est? Putain, déjà? Temps passe vite quand on s'amuse. C'est fou, ça. Alors. Piou. Voilà. Oh, merde. Voilà, c'était par là. Ça le fait. Alors ensuite, la suite de la suivante. Voilà, Zébarizi. Ça passe vite. Ah, salaud. C'est très vilain ce que tu viens de dire, Scarjoui. Tu me déçois de la déception.
Turn around. Ok, alors là, a priori, si je continue de jouer, je retourne à Brinstar. C'est parti, on continue de jouer. Piu. Tiens, c'est bizarre. J'avais un... Non. Non, je veux pas de souvenir. Tout va bien. Allez, feu. On s'en fout. Ok, c'est bon. Ouais mon gars, putain c'est vrai que ça devient vite pété quand même hein. Ouais ça va, c'est bon. C'est qu'il est plutôt jeune hein, le monsieur là hein. Il fait des trucs de Jones là, il stream et tout mais ça commence à être limite Norwich Union hein, quand même là, le Ruffo. Ouais, je suis à deux doigts de commencer à contractualiser pour mes obsèques là. Il est tout jeune le bordel. Alors. Ah fuck. Voilà. Allez, c'est reparti. On grimpe. Direction Brinstar. Ruffo the Hold. Yeah, I'm the old one. I'm the old one. I'm so old. Oh. Alors, direction Crotterio. Crotterio, 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 Crotterio. Allez, view. Youp là. Donc là, ça va être le tube pété. Me semble-t-il. Voilà, voilà. Là, de toute façon, je vais pas m'emmerder. Hop, on passe direct en face. Voilà. De retour donc à Brinstar. Donc on va aller tout droit, on va tout grimper, on va aller à Crateria. Poum, pim. Cache pustache. Oui, oui, c'est au début de Crateria. Enfin, au début. Si, si, c'est à Crateria. Je me rappelle. Ah, il me semblait bien. Ouais, bon, ça sert à rien, remarque. Mais saute, putain! Oh, mais fuck! Tu vois que je vais mettre 1000 ans à grimper. Allez.
Bon, ça va bander. Hop. Je dis mal de la bouche. Ouais, c'était vraiment début de Crateria. C'est-à-dire, c'est lorsque tu sors du attends deux secondes. Eh oui, bien sûr. Voilà, lorsque tu sors du vaisseau, tu pars vers la gauche. Doudou. Tu verras. Boum. Donc à partir de là, dis-moi pas qu'il faut que je... Oh, me dis pas ça. A priori, c'est ça. Hein. Putain. Bon, allez, faut tout grimper. Youpi. Je me rappelle pas s'il y avait une porte là. Il y en a une. Voilà. Voilà. Ah oui, là c'était le boss plante. C'est ça. Eh, quand même, hein, le petit vieux, il a encore un petit peu de mémoire. Un tout petit peu. Encore un peu de mémoire. Bon, alors. Là, on déchante. Alors, elle est où, la déchante, la bordel? Tu me l'as foutu où, là? Voilà, elle est là, ma déchante. Oh, en plus, c'est de la bonne déchante, là. Youpi, youpi, youpi. Coucou, Crateria. Voilà, voilà. Piou. Oh putain, j'espère qu'il y a un moyen de repartir plus bas là, que j'ai pas fait ce tour pour rien. Putain, tu verras que j'ai fait le tour pour rien. Ça pue. Ça pue, j'ai fait un tour pour rien, bordel. Ah, c'est nul. Ah, c'est relou de cul. Bon, ben allez. M'a gonflé. Allez, cassons-nous. C'est bon, m'a gonflé. Allez, mais barre-toi, toi. Allez, foucan. Dégage. Dégage! De piste moche. Ah mais non. Fanation quoi. Voilà, porte. Allez, c'est bon. Tu m'as fait, putain! Tu m'as fait quoi? Ah oui, c'est avec le... Yeah. Oh ouais! Voilà, voilà. Mais non, mais... Ah! Gonflé, c'est pas possible. Ah.
Voilà. Ouh, j'en ai marre, vite. Faites-moi partir d'ici, j'en peux plus. Ah oui, Crateria, me voilà! Oui, je sais que je suis un sac, arrête! Arrête de m'embêter. Alors, est-ce que c'est bien Crateria? Zatis Crateria, ok. Alors... je vois pas pourquoi je m'emmerde. J'ai dit que je remontais directement au vaisseau. Pourquoi j'ai le canon? Bon, c'est pas grave. Et donc tu vois, voilà, là, la statue, elle est en bas là, il me semble. On va vérifier ça. Youpi. Would I like to save? Allez, c'est reparti. C'est parti. Donc, voilà. Et donc, il me semble que après, c'est quelque part à droite, me semble-t-il. Voilà, je crois que c'est là. Je crois. Pourtant, c'est pas là du tout. Ah, peut-être. Non, raté. Ça, c'est la map. Alors, c'était où ? Ah, c'était peut-être au-dessus. Ah non, alors c'était le trou avant. Peut-être. Donc c'était peut-être le passage d'avant. Peut-être celui-là. Hop, allons voir ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... ok, ça c'est un fight avec le Chozo. Alors merde, c'était où? Ah d'accord, ok, oui je vois, c'est en diagonale gauche sous le S. Ok, donc il faut que je prenne le... je remonte, je vais tout droit, je prends la pente, je descends et je pars à droite, a priori. Thank you.
Voilà. Ok, ensuite. Je descends et ensuite tout à droite. Boum, kaboum. Voilà. Boum. Mais que va-t-il se passer? Ouverture en dessous de la statue. J'espère qu'il y aura moyen de sauvegarder parce que j'ai pas sauvegardé depuis un moment. Enfin, j'avais sauvegardé à la sortie du petit extraterrestre, donc. Voilà. Ouverture. Mon dieu que c'est moche. Ah, je fais des bulles et tout, c'est trop bien. Et je descends. Je descends. Alors, je suis où, là? Tourian. Oh, ok. Je connaissais pas Tourian. Mon dieu. Je suis allé droit dans la lave. Bon, bah moi qui voulais de la sauvegarde, c'est bien, je suis servi. Là, par contre, on me file toute la map. Donc, ça veut dire que Tourian, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, exact. Je suis con, j'ai save dans le vaisseau. Exact. Ah, mon dieu! Mais qu'est-ce que j'en fais moi de ces merdes là? Ok, là a priori si je les bute pas, ça les bute pas non plus. Bon, alors, quelque chose que je suis pas là. Comment je fais là pour buter ces cellules? Sachant que... il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Comment fais-je? Oups. Ah ben voilà. Oh mais non. Ça
Ça marche aussi. Ah merde! Ça va être bouillant. Ça va être bouillant. Ou alors je fais ce genre de choses. Ça marche pas sur... Ah si, ça marche sur Metroid. Hop, je vais faire un petit reset. Fais un petit reset afin de relancer la sauvegarde ici. Voilà. Parce que j'avais quand même perdu pas mal de vie pour rien. Donc, histoire de préserver un peu mes PV. Le mec, il fait ça pour préserver ses PV et il en perd 5, là. Boum. Oh yeah! Tous les PV. Et j'avance. C'est très très bien. Ah non! Ah! Ça me gonflait ces passages-là. Ah bah finalement ça va. Je le vis pas trop mal. Ok, allez on continue. Y a-t-il encore des métroïdes? J'y vais doucement, doucement. Sinon, je suis obligé de me retaper toute la salle si j'en rate un. La partie Survival Horror. Voilà. Il y a des bestioles là, a priori. Ah! J'ai pété une statue de Chezol. C'était peut-être pas la meilleure idée à faire, je sais pas. Je vais peut-être foutre quelqu'un en colère. Ah mais il y a plein de trucs là. Plein de trucs en sable là. Eh. Oula. Dis donc, t'as grossi, toi. Ah, apparemment c'était voulu. Apparemment c'était scripté l'histoire. Saleté! Compte gamin! Salut Shaden! Alors. Allons par là, je sens qu'on va me remettre de la vie. Trop facile. Des munitions. Et de la life.
Apparemment, munitions, j'étais à balle. Énergie, à balle. Voilà, trop facile. Franchement, les mecs, Nintendo, sur ce coup-là, ils ont pas été... Ils ont pas été top, je trouve. Les mecs, ils te scriptent un passage super stressant, tu te retrouves à 1 PV, de suite après, ils te redonnent toute l'énergie. Youpi! C'est genre, pour scripter, on veut bien déconner, mais à un moment donné, voilà quoi. Bon, allez. N'oublie pas que quand c'est gros, le tir chargé, c'est ce qu'il faut. Waouh, mais dis donc, mais tu me fais plein de bonnes phrases comme ça, mon petit Scargy. C'est très très bien. Bravissimo. Boum. Allez donc, c'est sauvegardé, on s'approche du boss, si on n'y est pas d'ailleurs là. Ok, c'est la merde. Voilà. Watch 2. Ah ouais, ça coûte cher hein, apparemment chez les mecs de... Tiens! 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 Je te casse, moi! Tiens! 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 Allez, ça y est, libération. Oups, il fait encore mal. Bah oui. Dis donc, mais vous êtes très très moche, vous. Tu vas voir qu'il va y avoir plusieurs formes avec ce truc-là. Oula. Pas me faire un truc cool. Oh, comme il m'a démonté. Putain. Oh là 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 là, ce truc. Oh, il m'a déboîté. Ah mais non. Je me lève plus là.
Non mais non 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 mais non mais non mais non mais non mais stop. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Il y a le bordel là, il est en train de me sauver. D'accord, ok. Donc comme quoi on n'a rien inventé dans Alien 4. Il le défonce. Il le défonce. Voilà, il a complètement bouffé. Et après tu vas faire quoi de moi par contre? Parce que tout à l'heure il m'a quand même fait mal là. Qu'est-ce qu'il me... Il me redonne tout. Ok. Eh mais attends mec, il revient. Il revient. Il revient. Ok, quelque chose me dit qu'il va pas bien le... Il va pas être d'accord là. Il va me buter mon pote. Oh là mon dieu! Il a cassé le gros machin! Oh là! Samus pas contente. Ok! J'ai le super beam de la mort! Oh! Le rainbow beam! Ouh! Regardez-moi ça, je le déboîte, j'y fais du mal. Ouh là là. Ouh, t'es pas content? Hein? Et moi ça, t'es tout rouge. Qu'est-ce qui t'arrive, insolation? Ah! 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 T'es tout mort. T'es tout mort. T'es tout mort. T'es tout gris. Oh là là, vas-y, coupe-toi en deux. Crève, charognard. Alors... Moi je demande à voir quand même, c'est quoi là Du coup mon bordel c'est quoi? La misque suit bim. Ah c'est l'hyper bim. Ok, j'ai 3 minutes pour foutre le camp. En mode hyper bim. Yeah. Run. Allez pirates de l'espace, barrez-vous. Ouh fuck. Ah, ils ont essayé de me la jouer à l'envers. Oh les vilains nous. Ouais, ça sentait trop qu'il fallait passer par le haut. Ok. Non, là par contre, ça sent qu'il faut passer par le haut encore. Ouh, fuck. Yeah, 1,45. Allez. Hey. Mes yeux, je n'ai plus de yeux. Je ne vois plus, je ne comprends plus ce qui se passe. Mes yeux ont contracté le cancer de l'épilepsie. Allez, quoi, bordel? Sors-moi de là! 1 minute 15! Je commence à revoir des bouts de map! Ah, il faut aller vers le vaisseau. D'accord, ok. Vite, bordel, vite, dépêche-toi, il me reste qu'une minute. Vite, la planète entière est en train d'exploser. C'est affreux. Dépêche-toi, Samus. Yeah, run, Samus, run. Run. Run, fucking girl. Allez, parons-nous. Et voilà.
Comme dans Tetris, j'ai fait décoller la fusée. Oh putain! Est-ce que c'est la fin? Is this the end? Kaboom? Kaboom! Donc a priori, j'ai fini Super Metroid. Ok, allez, tiens, prends-toi du mode 7 dans la gueule. The operation was completed successfully. Clear time, 6 hours, 48. Bon ben voilà les enfants, ça y est, enfin terminé ce Super Metroid. Cool. Tiens, je suis un peu déçu là, j'aurais bien aimé avoir les stats de découverte de la map. Je sais qu'il me manque quelques... armes, je sais que j'ai raté quelques trucs et tout. Mais malgré tout, très très sympa. Franchement, je suis content d'avoir enfin pu jouer à Super Metroid. À Super Metroid quand même, parce que bon, à force de parler de... Ah, il y a des pourcentages à la fin, parfait. Parce qu'à force de parler quand même des Metroidvania, fallait bien qu'à un moment donné, je m'en fasse un vrai Metroid. Donc je suis content d'avoir enfin pu toucher à celui-ci. C'est vachement cool. Alors du coup, j'en profite donc des crédits de fin. Donc la semaine prochaine, bougez pas. Voilà, voilà. Alors, je vous explique. Donc, la semaine prochaine... Oui, Samus, je savais que c'était une jolie bande. Donc, la semaine prochaine, 13e épisode du Castlevania Timeline Project avec tout. Celui-ci, Portrait of Foon sur DS, dans lequel nous allons jouer... Alors, je me rappelle plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Jonathan Morris, si je me rappelle bien. Ensuite, donc le descendant de... Non, Jonathan Morris, c'était dans Bloodlines. C'est un Morris, celui-là aussi, mais je ne me rappelle plus lequel. Bon, bref, on fera le point quand on y sera. Ensuite, donc, nous allons jouer à Aria of Sorrow. Alors, regardez sur la jaquette. Donc là, c'est Harmony of Dissonance. Aria of Sorrow, c'est celui-ci, voilà. Et donc, c'est sur... Yep, c'est de ce côté. C'est sur Game Boy Advance. Et pour terminer, donc, le dernier jeu de la timeline officielle, ce sera Dawn of Sorrow, et touche, le voici, le voilà. Alors, je ne vais pas insister plus sur ce moment scénaristique impressionnant, incroyable, où on découvre enfin qui est Samus. Elle nous dit pouce. Tcha ! Ok, elle saute depuis loin, elle tire sur le caméraman, donc... Elle vient de tuer des gens. Tout de même. You're right for collecting item. Wow, putain, 67%, c'est tout. Oh là 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 là. Mais j'en ai raté plein. Putain, j'ai que les deux tiers des items, quoi. Yo. Ah ouais. C'est chaud. Donc oui, effectivement, il y a au total 3 Castlevania sur DS. Il y a donc Order of Ecclesia que nous avons déjà fini, qui intervient plus tôt en fait dans la timeline Castlevania. Il y a Castlevania Dawn of Sorrow dont je viens de vous parler, qui est le tout dernier, qui se place tout à la fin en fait de la timeline et qui est la suite directe de Aria of Sorrow sur Game Boy. Aria of Sorrow, c'était celui-ci, donc avec Soma Cruz, et donc de nouveau la Dawn of Sorrow avec Soma Cruz toujours, et enfin donc le Portrait of Foon toujours sur DS, et qui là se passe avec un descendant des Maurice
qui est la famille, la nouvelle famille à être en possession donc du Vampire Killer depuis le Bloodlines. Voilà, enfin le The New Generation sur Mega Drive, si vous préférez. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les enfants, putain, j'ai pris une belle claque là quand même, 67%. Bon, un peu déçu par le boss de fin, scripté à mort, plus impressionnant finalement sur le script qu'autre chose, avec la surprise du Metroid finalement qui vient se foutre au milieu. Voilà, donc oui, effectivement, Scarjet a raison. Une fois que la timeline officielle donc des Castlevania sera bouclée et terminée, on passera aux timelines alternatives, dont font éventuellement évidemment partie où je vais y arriver, dont font évidemment partie donc Castlevania 64, Castlevania Legacy of Darkness, dont fait partie aussi Castlevania The Adventure Reborn, sorti sur Wii à l'époque, on le fera aussi. On fera aussi donc les deux kits Dracula, un sur Famicom et l'autre sur Game Boy, sachant que celui sur Famicom, on le fera d'une part en version traduite, puisqu'il n'est sorti que au Japon, le Boku Dracula-kun. Et ensuite, il faudra le faire aussi avec une Solus, puisque je me suis renseigné donc sur le Dracula-kun. En fait, le Dracula-kun, c'est il y a à un moment donné des questions qui sont posées aux joueurs, et des questions, alors on va dire de culture générale typiquement japonaise de l'époque en plus, c'est-à-dire des années fin 80, début 90. Donc voilà, hein, quand même, là faut pas trop faut pas trop m'en demander non plus, hein, on essaiera, hein, pour déconner, on essaiera de voir ce que ça donne comme ça, de le faire freestyle, mais effectivement arriver à se le sortir comme ça va être un peu compliqué. Bien évidemment sont prévus aussi Lords of Shadow 2, Mirror of Fate, donc plutôt dans l'autre sens. Ouh, ça y est, je me mets à manger le micro. Plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire Mirror of Fate d'abord et Lords of Shadow 2 ensuite. Sachant que je tenterai de faire le Mirror of Fate HD en speedrun, c'est-à-dire de le sortir en, je sais plus, je crois que c'est 3 heures. Je suis pas certain. Il faut arriver à le finir en 3 heures. Sachant que la dernière fois que j'ai fini Mirror Fate, c'était il y a bon poids 2 ans et demi, peut-être même 3 d'ailleurs, au moment où je le ferai. Donc bon, on verra. On verra si je m'en rappelle suffisamment ou si je suis suffisamment bon pour arriver à le boucler en 3 heures. Voilà. J'ai entendu dire qu'il n'était pas super dur à sortir en 3 heures. On verra. On verra ce qu'il en est. Castlevania Judgment, j'en pense quoi? Bah écoute, chez Dan, on l'avait essayé en direct. J'y rejouerai une deuxième fois, je ferai un deuxième épisode là-dessus. Donc si tu veux voir ce qu'on avait fait la dernière fois, dirige-toi sur la page YouTube, enfin sur ma page YouTube. Donc c'est youtube.com/user/RufoTheOne, tout attaché sans underscore ni rien. On l'avait essayé une première fois, c'était sympa, pourquoi pas. Moi je suis pas quelqu'un qui est fondamentalement réfractaire à changer l'identité d'un jeu, du moment que ça reste cohérent, c'est-à-dire que on essaye de réutiliser certains codes, que voilà, il n'y ait pas des trucs complètement pétés. Bon, ça a l'air, dans l'ensemble, ça a l'air cohérent, même si, bon, encore une nouvelle fois, pour arriver à mêler tous les héros des Castlevania, enfin, on va dire beaucoup de héros de Castlevania dans un seul jeu, bah, ils ont dû, comme d'habitude, ouvrir des failles temporelles. Ça, de toute façon, dès qu'à un moment donné, tu veux faire ce genre de choses, t'as pas le choix, faut ouvrir des failles temporelles. C'est comme ça. Mais bon, voilà. Oui, effectivement. Effectivement, ouais, c'est un jeu de combat. Donc, par contre, voilà, il va falloir que j'essaye de. J'avais dit la dernière fois que j'essaierai d'avancer beaucoup plus sur ce jeu, parce qu'il y a tout un mode château à faire pour débloquer plein de personnages, pour débloquer plein de choses. Donc voilà, j'essaierai de le faire de mon côté et ensuite on se le fera. Par contre, du coup, il va falloir aussi que je vous parle de la prochaine pause, hein, puisque à chaque fois que je fais une pause,
Dans le Castlevania Timeline Project, j'essaye de vous faire découvrir quelque chose. Alors cette fois-ci, ce que j'aimerais vous faire découvrir, c'est le sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement et sur lequel je m'arrache beaucoup de cheveux quand même. C'est sur Megami Tensei, ou du moins Shin Megami Tensei, qui est une série de Atlus, une série de RPG assez peu connue en Occident et notamment en France, puisqu'il y a relativement peu d'épisodes qui sont officiellement sortis. On trouve par exemple donc les Devil Survivor. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a que le Overclocked, donc le 1 Overclocked, c'est-à-dire une version remaniée en fait, et le Devil Survivor 2 Codebreaker qui sont sortis en France. Il y a aussi donc les Devil Summoner qui sont extrêmement rares en version PAL. Ils sont très 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 rares. Du coup, les seuls qui en vendent sur eBay veulent se faire des coronets en or. Après, il y a donc les Devil Summoner, pardon, les Devil Summoner versus. Hein, enfin, les Raidu Kuzunoa. Donc il y en a deux, hein, les Raidu Kuzunoa, c'est-à-dire qu'il y a les Raidu Kuzunoa versus The Soulless Army et versus King Abaddon. Il y a ensuite un Devil Summoner qui est sorti, qui est en fait le 2, c'est-à-dire c'est le le Soul Hackers, Devil Summoner Soul Hackers. Et enfin, sorti en Occident aussi, donc il y a Shin Megami Tensei 3 Nocturne, qui en Occident est devenu, attention roulement de tambour, et donc en Occident, enfin en France, c'est devenu ceci, voilà, Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Donc vous voyez qu'ils ont pris soin de virer en fait le chiffre, puisqu'il s'agit du troisième épisode officiel, sachant que voilà, la série Megami Tensei a commencé par deux épisodes sur Famicom, qui s'appelait Digital Devil Story Megami Tensei. Ces deux épisodes ont été remaniés pour une sortie sur Super Famicom quelques mois plus tard, enfin plutôt un an et demi, presque deux ans après. Atlus, qui à l'époque n'était que développeur, se sont lancés en freelance, se sont détachés. À l'époque, ils étaient édités par Namco avec un T à la fin, dans Namcot. Ils se sont détachés de Namcot pour devenir à la fois développeurs et éditeurs, et ils ont donc créé Shin Megami Tensei. Donc ils ont remanié leurs deux premiers épisodes pour en faire qu'un seul. De là, ils en ont fait un deuxième sur Super Famicom, qui se passait vraiment peu de temps après le premier. Ensuite, Nocturne, donc Shin Megami Tensei 3 en France, devenu Lucifer's Call, enfin en Europe. Lui, par contre, se déroule dans une époque contemporaine. Ils définissent pas vraiment le truc. Et regardez les images. Regardez l'image tout à droite, regardez le personnage, c'est Dante de Devil May Cry qui fait une apparition aussi dans Lucifer's Call, puisque Atlus avait demandé la permission à Capcom de leur prêter le personnage, ce qui n'est pas déconnant puisque Dante est un chasseur de démons, et en fait la série des Shin Megami Tensei tourne beaucoup autour des démons. C'est un RPG, c'est une ligne de RPG qui a vraiment des ramifications horreur, horreur, démon, messe noire, suicide, ambiance pas top. Et effectivement, Scarjay, c'est le point de départ de la série Persona. En fait, la série Persona part vraiment d'un épisode qui s'appelle Shin Megami Tensei IF, donc IF, trois petits points. Très souvent les Japonais, en fait, quand ils veulent faire des épisodes what if, ben en fait ont l'habitude d'utiliser simplement le if, voilà. Donc là en fait, donc Shin Megami Tensei IF a donné en fait lieu à un point de départ pour la suite qui donnera en fait le naissance à Persona.
Voilà, voilà. Donc, Persona, de toute façon, ouais, peut-être qu'un de ces quatre, on s'en fera un, sachant que Persona 5 arrive en février. Salut Shaden, de toute façon, j'ai terminé avec mon petit speech. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que à la prochaine pause, on se découvre ensemble. Enfin, ensemble. Moi, je connaissais déjà Nocturne, j'y avais pas mal joué, mais maintenant, il y a 10 ans. Donc finalement, pour moi, ça sera une redécouverte. Mais voilà, donc écoutez les gars, moi je vous propose ça donc pour la prochaine pause, et vous me direz ce que vous en pensez de cette série là. Allez les enfants, je vous fais de gros gros bisous, merci à tous d'avoir été présents, c'est terminé pour Super Metroid et on se retrouve donc la semaine prochaine pour du Castlevania Timeline Project, la reprise enfin puisqu'il y a eu quand même pas mal de coupures entre temps, et donc la reprise avec Portrait of Rune sur DS. Allez les enfants, ciao ciao, et puis bon courage pour la semaine de taf qui vous tombe sur le coin de la gueule. Allez, tchuss, bisous.